Succès. Elle a été écrite en 78, elle a été jouée déjà par le maître et Pierre Tornade, après elle avait été reprise par Michel Roux et Jacques Balutin, donc elle n'a pas été reprise depuis, et donc ça fait 15 ans, elle a eu beaucoup de succès à Paris, et puis quand Jean Martinez, qui est notre metteur en scène et producteur de Nouvelle Scène, nous a proposé, moi j'ai ri tellement en lisant le manuscrit, que, puis en sachant que ce serait lui mon alter ego, donc ça c'était une offre irrefusable. Ça va donner ton affaire d'après ton avocat. Alors là, selon mon avocat, avec Bougitron comme juge d'instruction, Albert, je risque 2 ans. Ah oui, c'est pas facile, Bougitron. Et c'est d'autant plus con, que j'y suis pour rien. Oh, pardon. Je dis que j'y suis pour rien. Pourquoi, mais il ne faut pas charrier. Le promoteur, c'était toi. Les fausses factures, les services payés pas rendus, les services rendus pas payés, c'était bien le patron, tout ça. Je te parle pas de ça. Je te dis que j'étais pour rien dans le fait que tout a été découvert. Alors qu'elle a démarré sur l'entreprise de terrassement, et le reste a suivi tout ça, parce qu'on a eu 8 jours de pluie ininterrompue. Ben oui, tu sais que mon village personnalisé, elle était construite sur un flanc de colline. On l'a vu. Oui. Ben alors 8 jours de flotte, tout a glissé. Ah oui, je savais que le terrain était glisseux, mais à ce point-là, quand même. Ah, tu sais que c'est impressionnant, 40 maisons personnalisées qui glissent. Ça, j'imagine. Mais pas de fondation, tu connais, naturellement. Bah, si, quand même, chaque maison avait sa carte. Et j'étais seulement posé dessus. Alors, avec la pluie, les caves sont restées, les maisons sont parties. Le pire, c'est qu'en bas de la colline, pour faire joli, on avait transformé les anciennes carrières qui servaient de dépôt à ordures en lac artificiel. 15 mètres de fond. Alors, les maisons qui sont arrivées les premières sur le bord du lac, poussées par les autres, hop, à la baille. Ça va être impressionnant.
plupart des maisons qui avaient conservé leur parquet, elles ont continué à flotter normalement. On a même pu les ramener à sur les rives, à l'agonie, par la fenêtre de l'île, mais les autres, perdus, corps et bien. Pas fictifs. Ah ben si, oui, oui. Un retraité de la marine marchande. Oui, il a coulé avec son bâtiment, debout sur le toit, appuyé sur l'antenne de télévision. C'est très actuel parce qu'aujourd'hui c'est des zones inondables et moi c'est du terrain glaiseux, ça revient au même. C'est-à-dire qu'on construit des maisons là où il faut pas. Alors les terrains ils glissent quand il pleut et maintenant c'est pas du glaiseux, c'est des inondations. Alors l'eau elle monte. Et lui il vend du terrain, il vend la forêt de Fontainebleau lui. Oui, je te disais, je suis plus tout à fait moi-même, tu sais, je me fais des reproches, tu veux dire quoi? Attends, et quand je dis reproches, en fait j'ai des... Comment ça s'appelle ça dit? Ah, les vertiges? Mais non, les vertiges, c'est quand je fais mes comptes. Non, on fait des affaires un peu comme ça. Les migraines? Mais non, oui, pas les migraines. Une affaire un peu comme ça? Oui. Des aigreurs. Voilà. Oui, ah bah oui, parce que moi aussi ça me fout des aigreurs. Mais pas besoin d'avoir fait une affaire un peu comme ça. Tiens, tu sais, quand les flics sont venus me demander à qui j'avais bien pu acheter la forêt de Fontainebleau pour avoir le droit de la revendre en lotissement à des Hollandais. Oui. Et bien avant d'exiger un avocat, j'ai exigé du bicarbonate. Ça me fout des aigreurs, moi, c'est... Toi peut-être, mais moi... Non. Voilà, moi, Albert, j'ai des remords. Voilà, c'est ça. Depuis que j'ai vu les maisons flotter, j'ai des remords. Oh, c'est des remords, toi? Moi? Quand on me connaît. Ah. Oh, ça tombe bien que tu viennes me raconter ça. Ah bon? Donc ça se traduit par quoi, tes remords? Tu ne dors plus, tu ne manges plus, tu ne... si, je mange, je dors, je... mais sans gaieté. Ah non, je ne m'amuse plus. Tu ne t'amuses plus? Non, tu sais, voilà, je ne m'amuse plus, voilà. C'est comme un sentiment de culpabilité qui te rongerait, moi. Voilà, c'est ça, je suis rongé. Et c'est quoi, ça? Ah oui, là, et physiquement, rien? Ah si, 2 heures après la catastrophe, là! Ah bah oui, le contre-coup. Quel contre-coup? Un vrai coup? Bah oui, un propriétaire qui sortait de l'eau, c'est vous le promoteur? Bah fait oui! C'est vraiment, vous verrez, c'est une pièce qui est bien construite, un petit peu, je dirais, à l'ancienne dans la construction, parce qu'il y a une évolution après les personnages. Après, on voit comment ces deux escrocs se remettent en repartant de loin, se remettent, à refaire Florès. Bon, il y aura une morale, on ne vous la raconte pas, il y a du suspense. Depuis combien de temps travaillons-nous ensemble? 16 ans, patron. Combien de fois ensemble avons-nous fait faillite? 16 fois, patron. Les 4e, 6e et 15e chambres correctionnelles. Nous avons obtenu 4 non-lieux et nous sommes en appel pour les bordeaux surgelés et la vente au détail de la forêt de Fontainebleau. Ça me fait. Vous êtes à découvert au Crédit Lyonnais, à la BNP, à la Société Générale, au Crédit Agricole, à la Banque Jordan, à la Banque Postale et chez Ginette, la marchande de fleurs, que j'ai d'ailleurs croisé en venant et qui m'a dit de bien vous embrasser. Merci, c'est très gentil. Nous avons quand même fait fortune 16 fois. Oui, patron, fortune faillite, jamais l'une sans l'autre. Vous m'avez mis un congé limité sans solde 16 fois et réengagé 17 fois si on compte celle-ci. Et bien maintenant, c'est promené à ça, cette fois, ce sera la dernière. Oui, patron, ça me sera d'autant plus facile à retenir que ça fait déjà 17 fois que je l'entends. Mais vous allez bien finir par ne plus faire faillite, patron, il y a bien raison. Merci. Merci également d'être toujours présente à mes côtés. Je vous en prie, patron, mais comme je vous l'ai dit il y a 16 ans, lorsque vous m'avez engagé, j'aime l'aventure et pas les voyages. Avec vous, j'ai exactement la vie dont j'en rêvais. Ah, vous êtes un spécimen, vous savez. Ben moi, cette longe, quand nous sommes-nous vus pour la dernière fois? J'ai été congédié il y a très précisément un mois et demi, patron. Très bien. Alors pendant ce mois et demi, retenez à sa mademoiselle. J'ai passé 15 ans en Inde. Donc, patron, en un mois et demi, vous avez passé 15 ans en Inde. Voilà, c'est ça. Mais attendez, quand je dis l'Inde, entendez, l'Inde mystérieuse. Pas New Delhi, naturellement. Pas New Delhi, bien patron. Les fins fonds. Les fins fonds, oui, patron. Là-bas, dans un monastère des fins fonds, j'ai étudié pendant 15 ans. Le traitement hindou des troubles nerveux. Oui, patron. Troubles nerveux relevant directement du bah t'as fait ça, t'aurais pas dû. Culpabilisateur.
Oui, papa. Grâce à ma psychothérapie à nous déculpabilisatrice, je guéris tout. Hésitation, inhibition, rougeur, tremblement, bégaiement, ok, surfroid, tiède, chaude. Oh, j'y vais, j'y vais pas. Quand ira-t-on? Oh, je t'en supplie, j'ai mis à la lumière. Tout, tout, tout. Je guéris tout. Bravo, patron. Et ça, guérisseur, on l'avait jamais fait, ça, patron. Hein. Et puis ça touche des thèmes, je dirais, complètement éternels. Regardez, par exemple, ces prédicateurs américains qui font croire qu'ils peuvent guérir. Donc ouais, moi, c'est un peu mon personnage. Voilà, je prétends guérisseur avec des pouvoirs hindous. Votre père était dans la cacahuète, vous pour rester dans la cacahuète. D'accord ? Ça vous plaît la cacahuète? Vous êtes ému, là, certainement. Eh bien, vous le restez, hein, rien sort. Est-ce que c'est ma jaquette qui vous impressionne? C'est peut-être ça, est-ce que c'est ça? Mais dites-lui ou non. Non, c'est la jaquette ou quoi? Dites-le, mais quand même. Mais dites-le, quand je vois, j'ai un pantalon, j'ai des bretelles. Vous voyez, alors, la mystérieuse des vins font tout fout le camp. Il y a des métiers comme ça qui ne tiennent que par le costume. C'est pas les gendarmes qui diront le contraire. C'est d'accord. Ah, nous n'énervons pas. Restons calmes. Nous avons la sagesse en nous. Oh, puis comme disait Alfred de Musset, un homme sans patience est une lampe sans huile. Ah, il disait ça, l'Alfred. Vous connaissez l'Alfred? Non, vous ne connaissez pas l'Alfred de Musset dans le théâtre? Oui. Ah, reste, ça va venir. Musset aurait fait à ma place. Il aurait fini par attraper la lampe. Et le bonhomme, il a tout foutu par la fenêtre. Ah, il se passe, il est dangereux. Mais nous avons la sagesse, hein, nous. Nous gardons notre calme. Oh, pour 5 ou 6 minutes avant d'appeler la tante et de passer à autre chose. Ah, oh, je vais faire une dernière tentative. Même là, il n'y a pas de son. Mais moi, j'ai bien envie. Oh. Et l'Afrique touristique, c'était intéressant, le voyage en Afrique, là, les cacahuètes, tout ça. C'était bien. Dites-le, c'était bien l'Afrique. Oh, il n'a pas dû avoir grand-chose. Hein. Bah oui, il n'a rien vu, il a gardé la moustache. Bien sûr. Porte de ventre, dromadaire, porte de ventre. Non. Qui a fait ce bruit-là? Oui, papa, pas. Lui, il voit grand, il voit très grand, lui. Moi, je suis un petit besogneux dans l'histoire. Ça vous plaisait de jouer un escroc, M. Cassali? Mais c'est pas un escroc, c'est un gentil, le mien. C'est un gentil escroc. C'est quoi, un gentil escroc? Un gentil escroc, c'est... Il croit faire le bien. C'est un naïf. C'est un naïf, oui. Il fait le bien de son portefeuille, mais... Non, mais c'est des personnages éminemment sympathiques. Dissolution! Ah bah! C'est la vie de final! La République nous appelle! Vive le roi, mes gars, sonneur! Et là, le temps revenu sur un geste de Carville, ton muet, a abordé le chapitre de la construction. Le ton Carville a exagéré. Non, parce que sur 200 promoteurs susceptibles d'avoir des amitiés dans les services des tampons et cachets indispensables pour permis de construire, j'ai été cité. Et dans des termes... Non, pas toi. C'est moi. Alors sur 200, après le 50e, personne n'écoute plus. Et moi, j'ai été cité en 3e.
Donnez-moi la pochette à son maximum, mon nom d'abord. Flaubert, qui ne le trouvait pas. Oh, pas soulagé, il ne va pas être trouvé. Il parle Hugo, Balzac, Lamartine. Mais Flaubert est arrivé là, tout d'un coup, Flaubert. Je l'ai encore murmuré. Madame Bovary. Oh. Et là, j'ai compris, c'était fini, j'étais perdu. Il le dit, Flaubert. Oh, voilà, merci, café. Café monté à ce plus fou à la tribune. Qui raconte n'importe quoi et qui risque de provoquer la troisième révolution française, je te le dis, moi. Ça y est, c'est pour moi, il vient de m'arrêter, ça, c'est sûr. C'est Madame Beaufort. Ah, c'est Madame Beaufort. Oui. Bonjour, Madame. Bouddha, ce qu'il peut. Vous êtes au courant, maître, vous avez vu Félix? Ah, c'est pas une cette soirée. Mon ami, M. Flaubert, l'a eu, et puis elle a été de me raconter. Hein. Flaubert. Ah non, rien à voir, bien sûr, c'est pas nommonyme. Ah, très bien, très bien. Madame Orfoul, que tu as dû rencontrer ici il y a quelques semaines. Ah, oui, oui, oui. Oh, mes hommages, bien sûr. Dites-moi, j'ai cru entendre que vous réussissiez les députés Gardier. Dites-moi, est-ce que vous aussi vous êtes traîné dans la. Non, Madame Orfoul est la tante de notre cher député. Voilà. Bon, M. Flaubert est un ami d'enfance. Qui souffre de ramollissement judiciaire. Et que j'ai raffermé. Oui, c'est ça. Moins que votre neveu, qui a été promu dissolution de l'Assemblée nationale, mais à part ça, ça va. Nous, on a déjà joué ensemble, mais là, on est vraiment, on est un vrai couple. Là, on est. C'est un temps. Attention à ce que tu dis, maintenant. Oui, alors, c'est vrai qu'on fait attention maintenant à ce qu'on dit. On est un tandem, voilà. Alors, lui, pédale d'un côté, moi de l'autre. Ça, c'est un million d'euros. Oui. Les produits là, les glissants. C'est les grossistes. Touche pas. Alors, à part ça, comment ça va? Ben, à part ça, tout fonctionne. Ah bon, attends, si je suis en gouvernement, le président de la République va forcément appeler Carbille dans les 48 heures. Et Carbille, au gouvernement, Émile. C'est comme si nous y étions. Tiens, ici. Albert. Ouais. Attention, Albert. Tu vois un grand. C'est, bah lui aussi, c'est un public merveilleux ici. C'est un public, j'ai des souvenirs de rire. Ils viennent pour s'amuser, c'est déjà ça. Donc on va essayer de s'amuser avec eux. Merci à vous et vive la Mirabelle. Vive la Mirabelle, que j'attends avec impatience. Je vois deux formules. Ah, formule 1. Ça, c'est la plus rapide. Et ben voilà, vous me l'avez repoussé. Ah oui, c'est pas moi, c'est vous. Donc, Sorel, assis-y, c'est quoi, assis? Ah, c'est le ciel qui m'envoie. Ce rien devrait nous rapporter beaucoup. Albert, ouais. Tu vois grand. Oh,